Salut et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne. Comme d'habitude, nous sommes samedi et nous allons continuer avec l'analyse de votre télé-réalité à succès de Bachelor. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas toujours de vous abonner pour ne pas manquer aux prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui ne me plaît pas et qui ne doit pas aussi vous plaire. Vraiment, excusez-moi si je commence par dire ça ne me plaît pas. Winoma a été éliminé. Winoma a été éliminé. Une cérémonie de la rose injuste. Laissez-moi vous déballer quelques faits. Si on doit seulement s'en tenir, aujourd'hui c'était l'épisode 9. Et si on doit seulement s'en tenir aux événements qui se sont passés, à savoir les filles sont allées rencontrer la sœur de Clive, on se limite seulement à ça, Winoma s'est très bien exprimée. Et comment se peut-il qu'elle a été éliminée? Cela est vraiment injuste. Moi, personnellement, je pense que Winoma n'allait pas être éliminé. Laissez vos avis en commentaire. Si vous croyez réellement que Clash a pris une très bonne décision, laissez vos avis en commentaire. Mais quant à moi, Winoma n'allait pas être éliminé. Alors, nous allons un peu analyser comment est-ce que l'injustice a régné pendant cette cérémonie de la rose. Tout d'abord, vous me permettez, lorsque les filles sont allées rencontrer la sœur de Clive, si vous avez bonne mémoire, la sœur de Clive a beaucoup apprécié Winoma. Sauf que la sœur de Clive, elle estimait plutôt que Winoma était une menteuse et qu'après le mariage, elle devait changer sa version des faits. Non, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Winoma a dit qu'elle est prête à s'installer au Cameroun et elle était prête à accepter toutes les conditions de Clive. Ça, c'est la bonne femme. Ça, c'est la bonne femme. Alors, la sœur de Clive a plutôt interprété que Winoma dit ça maintenant parce qu'elle n'est pas mariée. Demain, quand elle sera mariée, les dits vont changer. Peut-être c'est ça qui a défavorisé Winoma. Mais dans tous les sens, c'est injuste. Parce que Clive, à son tour, est juste attiré par les fesses et charmé. Et charmé, Clive abandonne un peu le côté charnel de la femme. Vraiment, ça, c'est mon avis à moi. Clive n'aurait pas dû éliminer Winoma. Moi, je suis très énervé face à cela. Clive ne devait pas abandonner Winoma. Laissez vos avis en commentaire. Si vous êtes d'accord pour cette décision que Clive vient de prendre, Winoma n'allait pas quand même être éliminé. Ok, et peut-être c'est avec l'appui de sa belle-sœur qu'elle a été éliminée. Dans tous les sens, Winoma, tu restes une très grande femme. Même ta séparation nous laisse comprendre que c'est Clive qui doit regretter, c'est Clive qui va pleurer. Il a sollicité, choisi le teint et les fesses. Malgré que tu avais aussi les fesses et les lolos, mais peut-être c'est le teint qui t'a éliminé. Prends ça comme ça, Winoma, et bon vent à toi. Merci.